Listen, chaps. It's been decided to inform the public of the existence of the Spitfire 9. And 611 Squadron was chosen to perform for the filming. We'll take off as Blue Section with 4 aircraft. Compton, Yorma number 2, Leech number 3, Morris number 4. We'll reform circling over the field and then head out east and come back for a low pass. The reporters are lined up in front of a big hangar. So we'll fly parallel to runway 30 on one impeccable formation. Let's make 611 Squadron look good. Alright, let's get on with the job, eh? Sweet. 8 décembre 1942. Alors qu'en cette fin d'année la météo rend difficile les sorties, le 611 a été choisi pour présenter au public notre monture, le Spitfire Mark 9. Notre section fut sélectionnée pour faire plusieurs passages devant les journalistes. Pour une fois, ce ne seront que des caméras qui seront braquées sur nous et pas des armes de tout calibre. Le changement est plutôt agréable. C'est même peut-être le début d'une carrière hollywoodienne. Alright, Blue Section, let's head out east and set up for the pass.
straps tighter than a nun's bum. After the pass, we'll swing south and come back for another one. Smile for the cameras. Même si nous étions concentrés sur réussir l'exercice du jour, les discussions étaient légères et nous pouvions vraiment profiter du vol à bord de notre bien-aimé Spiti. Cela nous a fait un bien fou que d'oublier l'espace d'un instant, les cirques, les rodéos et toutes ces bien trop nombreuses disparitions pour simplement nous concentrer sur le pur plaisir de voler. Mes trop nombreux atterrissages scabreux continuent de me poursuivre. Je crois que j'aurai cette réputation jusqu'à la fin de la guerre.
Let's roll out to the end of the runway, then taxi back in front of the reporters. Wave and smile, chaps. Wave and smile. Enfield 1-1. Taxi to... Okay, skipper. En passant devant les journalistes présents, je ne manquais pas de présenter mon meilleur profil et de leur lancer mon plus beau sourire. Clark Gable n'aura aucune chance. AC, Todd, what are you doing working here? It's Christmas Eve. Don't you have anywhere else to be? Merry Christmas, sir. I need to replace the spark plugs and install a new generator. These things wear out fast in this cold. I wouldn't want you to end up in the drink. Listen, here's a bottle of scotch. It's a good one. Take it. You really deserve it. I don't know what to say, sir. You really shouldn't have. Thank you. Let's hope this new year will be brighter and bring an end to this madness. I should hope so, but I reckon we'll be in it for a little longer than that. Righto, I'm off to the mess hall. Just leave the bloody kite and go home. We're not going to fly any time soon in this rotten weather. Thank you, sir. God bless. Oh, hello, Johnny. Gus? What are you chaps up to? Johnny insists that nobody can stay with him in a chase. You're shooting a line, mate. There is no way you can shake me. Oh, really? Sounds like a bet. A case of beer says you can't stay with me. Pistols at dawn tomorrow. We'll go up and see. Righto, you're on, mate. Le 25 décembre a été le théâtre d'un pari plutôt intéressant avec Johnny. Ce dernier se vantait que personne ne pouvait rester collé à lui dans une poursuite. Je ne veux pas dévoiler ici le vainqueur, mais disons que le Père Noël a été plutôt généreux avec moi cette année.
informed of. Okay, let's put on a Christmas show to the ground crew, shall we? Are you ready? Who's ready? Fight's on. Area.